Elle est en train à la naissance. Sa naissance avec une telle malformation d'elle. Donc là, c'est le rôle, et c'est ce qu'on voit assez souvent. Donc, c'est pour cela que tout ce qui est inapparent, un seul examen à la naissance est insuffisant. À chaque consultation, vaccination, autre, il faut toujours examiner, répéter les examens. Donc, un examen répété toute la première année de la vie jusqu'à l'âge de la marche. Chez les nouveaux, les deux situations. Et urgence, c'est l'importance des divorcer. Les parents consultent avec un membre qui est pseudo-paralytique. Deuxième, c'est la malformation. Elle est déformation depuis une heure. D'accord. Donc là, la première situation. On va aller doucement. Par exemple, c'est un nouveau-né qui a J3, c'est les parents qui le ramènent, membre supérieur droit, qui est inerte avec un aspect pseudo-paralytique. Donc les gens pensent à quoi? Paralytique. Donc on peut les identifier en deux choses. Il y a les lésions traumatiques. Un traumatique qui peut être soit osseux, soit neurologique, nerveux. Tout ce qui est osseux, c'est les fractures. Les fractures clavicules, les fractures humérus, fémur ou autre. Les décrements épiphysaires sont rares. Il y a tout ce qui est neurologique. Par exemple, le plexus. Et troisième catégorie qui est vraiment urgente, c'est une urgence thérapeutique, les lésions infectieuses, les osteoarthrites. Donc, c'est les orientations devant un membre pseudo-paralytique. Donc, soit les lésions traumatiques osseuses, fractures épiphysaires ou décollement épiphysaire, soit nerveuses avec plexus, soit les lésions infectieuses. Donc, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on cherche? Pour orienter un petit peu notre diagnostic. L'interrogatoire. L'interrogatoire. L'anamnèse. Déroulement de l'accouchement. Par exemple, un accouchement laborieux, distensif, autre, il nous oriente beaucoup plus vers tout ce qui est lésion traumatique, lien traumatisme. Soit un os fracturé, soit étirement du plexus, donc des lésions infectieuses. L'examen clinique. L'examen clinique. Sérologie. Et. Exactement. L'examen clinique, il y a la mobilisation douloureuse, il y a la chaleur, l'œdème, parfois ça s'abcède. Donc, il y a un syndrome infectieux qui se déclenche. Mais il y a une notion qui est très importante, qui différencie entre les deux. C'est la notion d'intervalle. La lésion traumatique, c'est dès la naissance, dès l'accouchement. Alors que la lésion infectieuse, il s'installe après l'intervalle. Il est né, une, deux, trois journées, quatre, cinq journées, il commence à faire un membre pseudo-paralytique. Et là, plus les syndromes infectieux. Donc, l'interrogatoire, déroulement, modalité de l'accouchement, le délai d'apparition de la paralysie, s'il y a une douleur à la mobilisation, s'il y a déjà une fièvre, l'aspect des partiments, un hématome. Et donc, on se trouve devant trois situations. Accouchement distensif, laborieux, avec douleur à la mobilisation, il y a une fracture. Non, c'est les lésions traumatiques. Il y a une fracture, il a mal. Quand je le mobilise, il a mal. Et déjà, l'interrogatoire, l'accouchement était difficile. La même chose, accouchement distensif laborieux, mais le membre, il est indolore, inerte. C'est les lésions neurologiques, c'est le plexus. C'est un membre flasque, inerte.
Soit elle apparaît après quelques jours, là, elle va vivre avec l'installation du syndrome infectieux. Le plus souvent, c'est de les lésions infectieuses. Qui est vivant de monde? Quand on suspecte une fracture, c'est la radio. Ou pour le syndrome infectieux, c'est le bilan biologique, l'immigration de l'SRP, l'échographie pour voir s'il y a des penchements et autres. Donc pour les lésions traumatiques, c'est la radio standard. Pour les décollements, quand on les suspecte, c'est l'échographie ou l'IRM. Les lésions infectieuses, c'est la biologie qui confirme l'état infectieux et l'échographie. Donc là, on a notre diagnostic. Donc pour un bref rappel, les lésions traumatiques osseuses et fractures diaphysaires, c'est surtout l'humérus, la clavicule ou le fémur, baigné de bon pronostic, pose pas de problème, généralement, après une simple immobilisation, 3 semaines suffisent d'immobilisation. Il y a les décollements pubisaires, c'est sans rare, c'est surtout le fémur, on sent l'extrémité donc proximale, ou bien l'humérus proximal à distance. C'est une des les plus fréquentes des décollements pubisaires. La radio, parfois, il est évident, on a l'aspect de pseudo-luxation, comme s'il est luxé. Il est évident, ou parfois, quand ça se déplace, il arrache un fragment de la métaphyse. Ça laisse deviner qu'il s'agit d'un décollement pubisaire, parce que le décollement pubisaire, c'est un glissement. J'ai un monotype 1 ou type 2 au niveau du cartilage croissance. Il y a l'épiphyse, la métaphyse, entre les deux, il y a le cartilage croissant. Quand ça glisse, ça donne l'aspect, parce que l'épiphyse, il n'est pas visible radiologiquement, c'est le nouveau-né. Donc, un aspect comme si c'est luxé. Par exemple, là, c'est un coup qui est normal, donc on réduit ce que le tissu humérus, là, il est un peu avancé vers l'avant. Il a un aspect de luxé. Là, ça peut penser généralement sans béni. Le diagnostic, il est difficile quand il est consulté. Par contre, tardivement, il y a déjà un hématome post-fracture qui est installé, douleur à la mobilisation, on n'arrive pas à mobiliser l'hématome. Ça pose le diagnostic avec les ostéoarthrites, avec les lésions infectieuses, mais il n'y a pas de syndrome infectieux, il n'y a pas de notion d'alternative, il n'y a rien. Et là, c'est l'échographie d'IRM. Par exemple, là, une échographie, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus, là, c'est cartilage de croissance, et là, l'épiphyse qui glisse. Le cartilage qui est un peu dépassé, il glisse. Bien traité, c'est le sang, bon pronostic. Il y a la paralysie obstétricale du plexus brachial, c'est une lésion traumatique nerveuse. Le membre, il est immobile, il est flasque, donc il ne bouge pas, pas de douleur. Parfois, on fait un diagnostic tardif quand il continue une association d'une fracture avec un plexus. Il consulte, la fracture de clavicule, bon, je ne pas dire fracture de clavicule par exemple. On traite la fracture, on immobilise. Quand on enlève l'immobilisation, 3 semaines ou 4 semaines après, il a toujours le membre qui est sur le bord d'un petit. C'est un plexus qui est associé donc, à la fracture. Parfois, il est désassocié. Donc, parfois, le diagnostic est tardif quand on a une fracture qui est associée. Même le plexus, la régulation est démarrée après un mois. Le premier mois, qu'est-ce qu'on a? C'est des conseils de posture. Il faut immobiliser le membre, il faut reposer le membre, parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires, c'est un accouchement dystocique, laborieux. On lui demande d'immobiliser. Fait des épingles. Échappe ou bien juste des épingles avec le bon produit pour qu'il ne bouge pas. Le temps que le phénomène inflammatoire se tarisse et tout, et on démarre notre rééducation généralement un mois après. La plupart des plexus récupèrent. C'est ce qu'on voit, c'est souvent c'est une moyenne de 40% qui sont sous le virus. Mais plus de 60% ils récupèrent généralement. Parfois une simple élongation qui récupère. Les lésions infectieuses, les trois articulations les plus fréquentes, hanche, épaule, genou. Il y a surtout la notion d'intervalle libre, syndrome infectieux, type flexion douleur et gesticulation. Donc la biologie et l'échographie qui confirment le diagnostic. Parfois un doute, on fait une pension, mais on la réalise rarement. Là, j'ai mis cette photo pour dire pourquoi il y a une ostéoarthrite chez l'enfant. Pourquoi c'est toujours l'os et l'articulation qui sont importants. Parce que le plus souvent, l'atteinte, donc, chez le nouveau-né, c'est une atteinte métaphysique, parfois hématologique. Le germe se localise au niveau de la métaphyse. Ensuite, il y a une diffusion vers l'articulation. Pourquoi? Parce qu'il y a une maturité du cartilage de croissance. Il est encore perforé, il y a une communication entre métaphyse et épiphyse, donc ça diffuse vers l'articulation. D'autre part, l'os, il est encore petit. Donc, la capsule, il est encore bas, insérée.
la capsule elle s'insère en bas. Normalement, la capsule s'insère sur l'épiphyse. La capsule s'insère encore sur, au niveau de la région métaphysaire. Donc le gène, il diffuse dans ce sens, il diffuse dans l'autre sens. Donc l'enfant, il n'a pas d'ostéomyélite, d'ostéoarthrite. Donc l'os et l'articulation. Donc immédiatement. Il y a la capsule qui n'est pas insérée, ce qui fait que la partie là où il y a l'infection de la métaphyse, elle est intra-articulaire. Et il y a l'immaturité de cartilage croissance, ce qui fait que le germe diffuse entre métaphyse, épiphyse et articulation. Là, la deuxième situation. La première situation qu'on vous ramène, nouveau-né, membre de paralytique. C'est un enfant lésion infectieuse, lésion traumatique. Deuxième situation, savoir différencier entre malformation et déformation. C'est quoi une malformation? Les malformations sont déjà rares. Ce qui est fréquent, c'est les déformations. La malformation, elle survient près quand c'est là, durant la période embryonnaire. Donc, il y a un trouble de l'organogénèse. L'organo. Donc, l'os est soit hypoplasique, aplasique, un os qui manque un os court, donc il y a une malformation. Ce qui est très important, le traitement est rarement connu. Il y a une malformation, par exemple, fémur court. Rien. Rien faire. Et ce qu'on fait, c'est un protocole thérapeutique au long cours. Donc en concertation avec les parents. Par exemple, un fémur court, il faut l'allonger, on l'allonge vers l'âge de 8 ans. Avant, il faut compenser. Il a une syndactylie, on opère vers l'âge de 1 ans. Sur le Vincent d'Emprat, on opère. C'est des protocoles thérapeutiques vers 3 ans. Donc le traitement est rare, donc rarement. Il faut faire le diagnostic. Avertir les parents ce qu'il a et ce qu'on va faire ultérieurement. Donc c'est ça. C'est les malformations. Donc, et plus souvent, les palliatifs sont différents. Parce que chez l'enfant, c'est deux fonctions. Il y a la fonction qu'on peut traiter. Et il y a l'esthétique. À mon parcours, c'est surtout esthétique et la fonction. Syntaxie, par exemple, 4e, 5e doigt, c'est surtout esthétique, plus que fonctionnel. Par contre, une syntaxie de la pousse, c'est et la fonction et l'esthétique. Donc, mais on fait notre diagnostic et on prévoit. On prévoit des choses en concertation avec les parents. Alors que les déformations sont très fréquentes. Et le plus qui constitue pendant la vie fœtale. Donc, les constituants de l'organe sont normes. Il n'y a pas de problème. Mais, donc il n'y a pas de malformation, mais il y a une anomalie posturale. Donc, ils sont un peu appuyés, un peu déformés, donc, par les contraintes utérines, par une disproportion fœto-maternelle. Par la position, par exemple, position de siège ou autre. Donc, il y a une contrainte utérine, une disproportion fœto-maternelle qui cause ce qu'on appelle des anomalies posturales. Là, le traitement, urgent bien rapide, parfois par simple manipulation avec une autre, les taux rentrent dans l'ordre. Car la plupart sont réversibles totalement ou partiellement. Donc, on va commencer par le membre inférieur. Le membre inférieur, le membre supérieur, c'est surtout les malformations. Le membre inférieur, c'est surtout les déformations. Les déformations sont fréquentes. Pourquoi? Ils sont posturales parce qu'il y a un appui utérin. Ils sont souvent associés. On trouve la luxation de hanche avec le genou récurvatant, avec le pied bas, avec le torticolis. C'est un problème de disproportion fœto-maternelle. C'est un problème de posture. C'est un problème. On verra ça, donc, pathologie par pathologie. Les malformations sont rares au niveau du membre inférieur. Ils ont un point commun. C'est un membre qui est court. Donc ça va, fémur court congénital, hypoplasie, aplasie, électromélie, ils ont tous un point commun. Ce qu'ils font, on attend l'âge de la marche, on compense et on prévoit par la suite ce qu'on peut faire. Donc les malformations sont rares. La première déformation, c'est l'instabilité de hanche ou luxation congénitale de hanche. Là, c'est une urgence néonatale. Vous savez. Le dépistage il est clinique. Il est aidé par l'échographie. Mais le dépistage il est clinique. Il faut répéter les examens cliniques pendant le premier mois. Deux manœuvres, vous les connaissez. La plus spécifique. Pourquoi? Parce qu'on examine hanche par hanche. C'est plus fin, c'est plus spécifique. L'orthodontie, c'est les deux hanches à la fois. Les mouvements d'abduction. Mais le barreau, c'est hanche par hanche, c'est plus spécifique
pour détecter un ressaut. Trois situations qui sont évidentes. En fluxé, mais qui est réductible. C'est ce qu'on appelle le ressaut de rentrée. Quand je l'examine, il était en dehors. Je la fais rentrer. Quand je lâche, elle ressort. Donc quand je l'examine, c'est le ressaut d'entrée. Donc c'est en fluxé réductible. Là, le diagnostic évident, on n'a pas besoin d'échographie. Il faut démarrer le traitement. Les hanches instables, ce qu'on appelle la hanche luxable, c'est le ressort de sortie. Il est en place. Quand je l'examine, c'est moi qui l'ai fait sortir. Tac, elle sort. Quand je lâche, elle revient. C'est ce qu'on appelle ressort de sortie. Là aussi, elle reste douteuse. S'agit-il d'une luxation ou pas? S'agit-il d'une hyperlaxité ligamentaire associée, sexe féminin, tout ça? Et troisième cas, c'est les hanches douteuses. On ne sait pas. On examine. Luxation, pas luxation. L'examen n'est pas parfaitement normal. Moi, je l'examine, je trouve un petit ressort, je l'examine, tu ne trouves rien. Donc, c'est les hanches douteuses. Généralement, dans ces cas, là, il faut prévoir l'échographie. Mais qu'est-ce qu'on préconise? L'échographie, généralement, c'est à partir du premier mois. Il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques le premier mois. Même les radiologues le demandent. Vous nous envoyez les enfants au-delà de l'âge d'un mois, comme ça, c'est plus évident. Durant cette première année, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce premier mois. Il faut refaire l'examen clinique, il faut le consulter. Bon, l'examiner, l'envoyer même à notre confrère de réexaminer. Et il faut rechercher les facteurs de risque. Ils nous orientent peut-être, pour ces facteurs, peut-être il s'agit d'une luxation de l'ange. La primiparité, la présentation au siège, l'oligomaniose. Césarienne, gros bébé, grossesse gémellaire, là où il y a un conflit fœtomaternel, une disproportion. Un utérus serré, enfant, il est mal placé. Et surtout, les postures fœtales. Présentation de siège avec les postures fœtales, en flexion directe. C'est cette position qui luxe la tête. Donc il y a une des contraintes, de l'utérus qui pousse sur un grand trochanter. Dans cette position, il y a une rotation externe, comme ça. Il est en rotation externe et le grand trochanter il sort. Donc c'est une pression utérine sur un grand trochanter qui est en rotation externe qui luxe la tête. Donc les postures luxantes qui nous disent que peut-être qu'il y a une luxation. C'est pas systématique. Et il faut rechercher d'autres malformations, déformations associées, torticolées associées, gynérecubratum, les déformations du pied, la symétrie des adducteurs dans ces positions. Tout ça nous font penser qu'il peut s'agir d'une luxation de l'ange. Et durant ce moment, on demande à la mère, il faut éviter la procédure. Il faut toujours favoriser l'adduction. Pas trop. Pas au maximum, mais ce qu'on va par exemple doubler ou tripler les couches pour garder cette abduction, un peu d'abduction forte. Donc c'est des conseils de posture en attendant le premier pas pour faire notre échographie. Un mois ou six semaines? Un mois. À partir d'un mois, même le radiologue il fait un bon examen. Pour l'âge, l'échographie peut-être Oui, on fait normal. Quand il est normal, on ne traite pas. On fait la radiographie à 4 mois. Donc on verra. Donc là, pour les hanches douteuses, luxables ou autres, on refait l'examen, on recherche les facteurs de risque, conseil de posture, échographie au premier. L'échographie au premier, il y a des critères qu'on cherche. Il y a surtout deux critères. Il y a la couverture, qui doit dépasser les 50%. C'est des chiffres que l'échographiste, le radiologue, nous précise. La couverture est plus de 50, dans 50, plus de 60. Il faut que la tête soit couverte de plus de 50%. Et un autre critère qui est plus sensible actuellement, c'est ce qu'on appelle critère de couture, c'est un radiologue français, c'est la distance entre la tête fémorale et le fond cotyloïdien qui ne doit pas dépasser 6 mm. Parce que normalement, la luxation est comme ça. Là, par exemple, c'est une hanche qui est normale. C'est la table externe, c'est le cotyl. Là, c'est la tête. Là, c'est la capsule articulaire.
Donc si on voit, plus de 50% il est à l'intérieur de la cavité cotylédienne. Donc la couverture, plus de 50%. La distance entre la tête fémur et le fond cotylédien, c'est cette distance. Oui, c'est bon. Là, il y a une luxation. On voit bien une dysplasie. Là, on voit bien donc, le rebord qui est bien dessiné. Elle est dysplasique. La tête, si on voit la couverture, on verra là, c'est juste cette partie qui est couverte. Donc on est à 30% environ. Et la distance entre le fond cotylédien et la tête, cette distance. Et il y a l'examen dynamique. Il fait l'échographie dont on examine l'ange. Il voit s'il sort ou s'il entre. On fait l'examen dynamique. Il répond, elle est stable à l'examen dynamique ou instable et luxable. Donc, c'est les critères qu'on cherche. Dans 80% des cas, comme ce que vous avez demandé, donc, tout est normal. On fait notre radiographie, on surveille. Est-ce qu'elle peut être luxable avec une échographie statique normale, ouais. Mais dynamique anormale? Dans ce cas, il est pathologique. Dynamique, il est anormal. Donc, c'est luxation. Donc, on refait le continuum de dépistage par la radiographie. Soit elle est pathologique, on traite. La radiographie, les critères, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le tracé d'Ambrodin. Donc, c'est la ligne passant par les Y et une verticale perpendiculaire qui passe par le rebord et la tête qui doit se situer dans ce cadran inférieur. Là, c'est le critère de normalité de la radiographie du bassin. Pour la hanche luxée réductible, il faut traiter. On a deux choix entre l'arête pavée et le siège d'adduction. La différence, c'est la limitation d'adduction. Quand la hanche est souple, parfaite, ça n'a plus l'autre adduction. Parce que l'arête pavée, qu'est-ce qu'il permet? Il permet une correction progressive. Il la descend, on ouvre doucement. Par la danse luxation, on a une rétraction des adducteurs. Ils sont très tendus. Donc on fait notre réduction progressive. On voit le malade chaque semaine, on fait le radio chaque semaine. Chaque semaine, doucement, doucement, jusqu'à ce que la tête soit bien. La durée? La durée, généralement, c'est 4 mois. 4 mois de traitement. Parfois, on le laisse, on ne fait pas de sevrage progressif. On le laisse 4 mois. On prend le relais 2 mois, juste le soir. On fait le jour, c'est juste le soir. Mais généralement, c'est 4 mois de traitement. C'est le dépistage. C'est-à-dire, on peut le faire un mois. Bien sûr. Donc, quand on a une hanche luxée réductible, alors les sens sont placés sur l'autre. Oui, mais parce que là, vous faites des radios, toutes les c'est des radios, les échos. Des radiographies qui montrent que la tête. Parce que quand on a une luxation, même si l'œil prisé n'est pas visible, mais il est en regard. Parce qu'elle est luxée. Et quand on fait notre radio, il est toujours comme ça. Comme ça, à un certain moment, il est là. Il est intra-cotylédien. Et parce que ces 4 mois, déjà, quand on arrive au 4e, 5e mois, les mots sont bien visibles, la radio. Le prix des radioculottes Le prix des radioculottes. La culotte est pour 600, entre 500 et 600 euros. Et il y a des tailles. C'est entre les deux. On place l'enfant en position d'abduction et on mesure entre les deux conduits en centimètres. Chez les tout petits, on a 12 ou 14 centimètres. Il y a le 16, le 18, le 20, le 22. Détails. Et on prescrit culotte d'abduction numéro 12, numéro 14, numéro 16. Numéro... C'est l'affaire du chirurgien. C'est le chirurgien qui l'a mesuré. Là, c'est la taille. Là, ça peut être un 16 ou un 14. Pour l'ardeur pavique, il est rarement utilisé. C'est très rare qu'on trouve quand on fait un diagnostic précoce, c'est plus souvent il n'y a pas de rétraction radiculaire. La différence entre les deux, c'est que l'ardeur, on peut l'utiliser même un peu tardivement. Malade qui consulte vers l'âge de 3 mois, 4 mois, radio, puis luxé, déjà il a développé la rétraction, on peut l'utiliser. C'est difficile d'utiliser la culotte. L'arrêt, on peut le garder jusqu'à l'âge de 8 mois, 9 mois. Oui. Il y a le risque, hein, ici, de la rétraction les ischios jambiers, parce que en flexion. Flexion permanente. Parce que l'attitude, déjà, avant la naissance,
est toujours une infection. Là, je la marche à être. Donc, il n'y a pas de problème, généralement. Généralement, on a des résultats à 100% avec le traitement. Pas à 100%. Pas à 100%. Il faut toujours surveiller. Donc, il faut dire aux parents. Il faut dire aux parents qu'on va le surveiller. Il faut le revoir. Donc, dès qu'on a, on fait notre culotte, par exemple, on a notre avis de contrôle vers l'âge de 4 mois, 5 mois, normal, parfait. On le revoit vers l'âge de la marche. Dès qu'il commence sa verticalisation, on fait notre radio. Ensuite, une autre radio vers l'âge de 18 mois. 18 mois, c'est l'âge où la marche commence à se redresser, s'équilibrer. Mais on le surveille. On le surveille parfois tous les ans. Il fait une radio tous les ans. Dès que j'ai une bonne radio bien couverte, parfaite, par exemple, s'il a une petite dysplasie, il faut le surveiller, par exemple. Mais il ne faut pas le lâcher. Il faut traiter, il faut surveiller. Quand est-ce qu'on arrête le traitement, c'est... Lâche la marche. Lâche la marche, on arrête le traitement. Les déformations congénitales du pied. Là, c'est la deuxième déformation qui est très fréquente donc, des membres inférieurs. Donc, quels sont les types de déformations congénitales du pied enfin. Donc, il y a ce qui est le plus fréquent, c'est c'est le pied ovarisécain. Il y a très fréquent déjà le développement, le pied talus, le pied valgus. Il y a le pied convexe qui est rare. Généralement, c'est les déformations. Ou bien l'avant-pied qui tourne, le métatarsus varus. C'est le métatarsus abductus. On les classe en fonction des contraintes utérines. Parce que déformation, c'est la paroi utérine qui fait une contrainte. Soit que l'appui il est sur le bord externe, soit qu'il est sur le bord interne, soit qu'il est sur la plante. Donc on arrive. Les urgences thérapeutiques, tous ces malades ont préconisé une rééducation précoce. Et le plus urgent, c'est le pivot. Le pivot fait démarrer rapidement le traitement. Dans plusieurs variétés, il y a le pied beau qui est le plus urgent, le plus fréquent, le métatarsus abductus, le pied calcanus, anciennement on disait talus, direct et valgus, et le pied convexe. Donc on les classe en fonction de la compression externe permanente sur le pied. Là, c'est les premières déformations. Si la compression est sur le bord externe du pied, on aura deux déformations. Soit l'arrière-pied qui reste fixe, et l'appui était juste sur l'avant-pied. Donc c'est l'avant-pied qui tourne. Donc qu'est-ce qu'on appelle cette déformation? Là, c'est le métatarsus adductus. Elle est généralement bénigne, un peu de manipulation, parfois même des plâtres. Il faut le confier aux réanimateurs, aux kinésithérapeutes. Toutes ces déformations avant l'âge de la marche. Parce qu'une fois qu'il marche, il faut qu'il s'appuie, qu'il soit cantigrade sur des pieds normaux. Et il y a la déformation quand tout le pied il se déforme, là c'est le pied ovarisécain. Donc le pied ovarisécain, c'est l'urgence orthopédique. C'est le cas le plus urgent. Il y a des kinés qui sont un peu classiques, donc c'est les méthodes fonctionnelles, c'est les manipulations, les stimulations, les contentions par élasto, par. Des plaques, par des plâtres de correction. Et bien actuellement, on fait de plus en plus de techniques de pensée. Pensée, c'est le moulage, les différents moulages. On fait des plâtres progressifs. Un plâtre tous les 15 jours. Et on corrige progressivement. La correction commence par l'avant-pied en premier jusqu'à l'arrière-pied. Là, c'est le premier plâtre. On corrige. Donc, jusqu'à ce que le pied se corrige, et ce qui persiste presque toujours, c'est l'écran. Là, on fait une ténotomie. Là, c'est des plâtres avec ténotomie de la chine. Là, on fait une petite ténotomie chirurgicale. Une petite ténotomie, et on va passer notre plâtre. Là, c'est l'appareil de Denis Parham jusqu'à l'âge de la marche. Là, ça dure environ 45 jours. Entre 4 à 5 plâtres, généralement, le pied se corrige. Donc, c'est la technique de Ponseti. Ensuite, suivi d'une ténotomie. Après la ténotomie, un plâtre en position de correction pendant un mois. Ensuite, on passe le relais à l'appareillage de Denis Parham jusqu'à l'âge de la marche. Qu'est-ce que le pied est beau, on attend toujours l'âge de la marche. Il faut quand il marche, qu'il soit plantigrade et le pied bien corrigé.
Vous commencez le traitement à partir de quel jour? Dès la naissance. Dès la naissance. Parce que des familles disent, attends, va faire J7, J8. Le premier. Le premier mois. Le premier mois, ça. Mais dès la naissance, le premier jour, il a un pied rose. On commence, exactement. C'est parfois difficile d'avoir un rendez-vous avec le traumato, le jeune enfant. Il ne faut pas dépasser le premier mois. La deuxième déformation, c'était une métatarsus adductus. Donc, ce qui se passe, c'est une adduction au niveau de l'avant-pied. C'est entre les tarses et les métas, dans la ligne de l'isfranc. C'est juste l'avant-pied qui tourne. Le traitement, l'orthopédique, rééducation, pronostique, il est bon. Pas de problème. Waouh, il se déforme, qui met un peu le. Il est souple. Il est souple. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il est souple dans une. Manipulation. Il passe parfois comme la c'est des corrections. C'est des manipulations, il faut corriger. Parfois des plâtres, des petits plâtres de correction. Parfois on change de chaussure. Change de chaussure après l'âge de la marche. Après l'âge de la marche. Quand ça persiste après l'âge de la marche, il faut inverser les chaussures. Ouais. C'est le métatarsus varus. Tant qu'il est souple, il est orthopédique. Un métatarsus adductus souple, il est orthopédique. Une fois fixé, il est chirurgical. Donc il faut le garder souple. Parfois les enfants, c'est après l'âge de la marche que le tout rentre dans le pied. Quand est-ce le pédiatre il doit, parce que d'habitude quand il est souple, on le chatouille un petit peu, il revient, on prend notre temps. Est-ce que c'est une bonne chose ou... On l'envoie au kiné pour qu'il démarre un petit peu de rééducation. Même vers l'âge de 5-6 mois, ils commencent les enfants à mettre des chaussures. Donc des chaussures un peu montantes, bien moulées pour qu'ils. Donc il faut toujours que l'avant-pied, il faut la pousser vers l'odeur. C'est tout. Le kiné, qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours des manipulations. Il demande à la mère de faire des stimulations. Et parfois, il fait des plâtres d'assouplissement progressif. Un plâtre pendant une semaine, il enlève, il garde une semaine avec manipulation à l'odeur. Une autre semaine, un autre plâtre. C'est 3-4 plâtres correcteurs. Parfois, ils font des élastoplâtres qu'ils gardent pendant une semaine, 10 jours ou autre. C'est ce qui doit inquiéter, c'est est-ce que c'est réductible ou pas. Exactement. Tant qu'il est souple, même à l'âge de 2 ans, 3 ans, on lui donne l'appareillage. Il y a un appareillage des athènes anti-métatarsus varus. Cet appareillage postérieur au niveau de la jambe, cette partie, il est un peu bon. T'as la chèche. On fait athène jambière postérieure anti-métatarsus varus. Donc, comme ça, il essaie de pousser. Des conseils d'inverser les chaussures. Des chaussures un peu dures, des chaussures carrément médicales, contre le métatarsus varus. Tant qu'il est souple, on ne fait rien, on ne perd pas. Il est orthopédique. C'est l'appareil, c'est la rééducation. Là, quand la compression est directe sur la plante du pied, donc il pousse. Il pousse la plante. Là, c'est le. On voit assez souvent, c'est le pied talus. Là, c'est le talus direct, compression directe. Parce qu'il y a le talus valgus. Qui sort un petit peu vers l'extérieur. Là aussi, c'est évolution toujours favorable. On n'a jamais eu de problème avec le pied talus. Parfois, on n'a même pas besoin de rééducation. Dans ces cas, quand on les voit à la naissance, on lui dit de revenir dans un mois. Parfois, dans un mois, il est 3-6 mois, on n'a plus de talus. Soit la compression, elle est interne. Il pousse le pied vers le dehors. Il y a toujours le pied talus, mais valgus. Talus et qui sort un petit peu à l'extérieur, parce qu'il est poussé de la partie intérieure. Soit le pied convexe, et là c'est la catastrophe. Pied convexe, c'est une rareté. Très rare, on voit 2-3 par an, mais il est presque toujours chirurgical, il est irréductible. C'est quoi le pied convexe? C'est et les releveurs qui tirent, et la chine qui tire. Il y a l'ahjar qui tire. Et tout le médiopied, il est là. L'articulation astragalo-scaphoïde, il est là. Et comme ça, le pied. Il est très irréductible, il est toujours chirurgical, il y a beaucoup de récidives et beaucoup de. Donc, le pied calcanus valgus aussi, donc, le pied, il est relevé sur la face antérieure externe de la jambe. Traitement, c'est la même chose. Bon pronostic rééducation. Et là, c'est le pied calcanus. Toujours irréductible, toujours grave, exceptionnel, pronostic réservé, irréductible, le traitement est souvent chirurgical.
Là, c'était les deux déformations les plus fréquentes du membre inférieur. Là, c'est la classification en fonction des ondes d'atteinte. Si la pression est interne, c'est le convexe, c'est le talus moelleux. Si elle est directe, c'est le talus. Mais si elle est externe, c'est le pied-bot et le métatarsus. Donc, métatarsus ou talus. Là aussi, une entité qui est rare, c'est les luxations dans une état du genou. On les voit. Il est luxé au postérieur. Donc là, c'est la cuisse, la jambe. C'est le genou récurrent, donc ça sera congénital. C'est le postural. Généralement, on les confie aux kinésithérapeutes. Ils font rééducation progressive avec parfois des attelles correctrices. Il est vraiment luxé vers l'avant. C'est progressif, c'est le pas progressif. Comme ça. Ils descendent des attelles, ils font des attelles antérieures. Des attelles antérieures plâtrées. Ils lâchent, ils manipulent. Généralement, il n'y a jamais de problème. C'est une rareté. Il est souvent associé à la luxation du pied-bot, secondaire aux postures luxantes qu'on avait vues. C'est des postures luxantes qui. C'est ça, secondaire à ces postures luxantes. Et la jambe qui est luxée. Il y a aussi les courbures congénitales de la jambe. On ne voit pas assez souvent. Soit une courbure en trou que la jambe, elle a une courbure comme ça, ou bien dans l'autre sens. Soit une courbure à convexité postérieure, comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Ce sont de bons pronostics, il a voulu faire une correction spontanée. Au début, il aura une petite inégalité de longueur parce que le tibia, au lieu d'être largué, court, mais il se redresse spontanément. Là, c'est le problème. Quand on trouve des tibias à courbure antérieure, il rentre le plus souvent dans le cadre des neurofibromatoses de Waber-Kinzer. D'évolution systématique vers la fracture pathologique et la pseudarthrose. C'est la pseudarthrose des jambes dites congénitales. Même quand on opère, quand on greffe, quand on regreffe, il n'y a pas de consolidation. Ça, c'est une pseudarthrose qui est multi-opère. La seule solution actuellement, c'est le péroné, c'est un os vascularisé. Le péroné vascularisé ou autre, un autre os vascularisé. C'est des interventions qu'on fait généralement avec les plasticiens pour qu'ils nous aident à faire les sutures microchirurgicales pour généralement faire un os vascularisé. L'évolution, c'est l'évolution spontanée, systématique, quoi que tu fasses. Il a une courbure vers l'âge de la marche. On a l'impression que ça se redresse. Mais par la suite, fissure, fracture, pseudarthrose. Là, c'est une courbure à convexité antérieure. Le membre supérieur. Pourquoi il n'y a pas de déformation au niveau du membre supérieur? Il y a surtout les malformations. Pourquoi? Parce que déjà, les contraintes utérines, le membre supérieur, on dit qu'il est protégé par le volume de la tête. La tête, l'utérus, donc le membre supérieur est libre. Il n'y a pas de déformation, surtout des malformations. C'est ce qu'on voit assez souvent. Il y a plusieurs malformations, mais ce qu'on voit assez souvent, la surélévation congénitale de l'omoplate. On voit un enfant, on voit donc les bords de l'omoplate, là il est fixé au niveau du rachis. Il y a un os homo-vertébral, malformatif. Un os qui fixe le bord supérieur au rachis. Il a appuyé comme ça. Cliniquement, c'est esthétique. La fonction déficit d'abduction. Là, il fait comme ça, là, ça bloque. Parce que la scapule thoracique ne bouge plus. Il est fixé. On fait notre diagnostic. Et on les opère vraiment l'âge idéal. Avant, les opérations, l'âge idéal, dans la littérature, il n'y a pas de problème, c'est 3 ans. On attend l'âge de 3 ans pour les opérer. On fait une section de l'os homo-vertébral et on fait un abaissement. On sectionne tous les muscles, les attaches de la clavicule, et on fait un abaissement. Un abaissement, on le resitue. Généralement, l'évolution est favorable. Les synostoses radioculitales sont fréquentes, et le plus souvent, le diagnostic il est tardif. Et là, une synostose entre radius sculptus, il n'a pas de problème supérieur.
Et le plus souvent, c'est les instituteurs de l'école qui nous envoient le malade. En écrivant, ils n'arrivent pas à écrire, ils font comme ça. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de chronosupervision. En mangeant, ils n'arrivent pas, en s'habillant. Donc, c'est des gestes de la vie courante qui orientent parfois le malade vers l'intervention. Là, c'est fusionné. En tradiscultus, mais aussi dans ce sens, c'est fusionné. Là aussi, on les opère en fonction des besoins de l'enfant. S'il est fusionné dans cette position, nous, la main droite, on a besoin d'une petite pronation pour écrire, donc pour s'habiller. On n'a pas besoin d'une supination, la main droite. Par exemple, si on est droitier, la main gauche, parfois, on a besoin plus de supination. On a plus de force au niveau côté gauche que tout, pour soulever, pour tirer. Pour... Et là, c'est pour les gestes fins. Donc, on fait des ostéotomes. On casse et on fait le secteur dont on a besoin. En fonction de en concertation avec les parents aussi. Il est fixé comme ça. Moi, je vais faire 30 degrés. Comme ça, il aura la main fixée dans cette position. Donc, il va s'en servir pour... Là, s'il est par exemple supination, on va faire 60 degrés, 90. Donc, c'est des dérotations en fonction des besoins esthétiques, fonctionnels, tout le temps avec l'enfant. Maintenant, il y a plusieurs malformations. Il y a les clinodactylies, les comptodactylies et tout. Mais le plus fréquent, c'est les syndactylies, fusion des deux. Des deux. Là aussi, on prévoit une libération. La libération, la GDA, c'est un an. Pourquoi ? On attend que la main grossisse un petit peu, que les axes vasculaires soient bien individualisés, parce qu'il y a un grand risque de nécrose à ce stade. Déjà, quand on est grand, on a la bifurcation qui est bien individualisée entre les deux vaisseaux, parce que à ce stade, parfois, tu trouves la bifurcation un peu haute. On risque de la sectionner, ça la nécrose, les deux. Et les doigts surnuméraires. Sixième doigt, c'est aussi fréquent. Les autres malformations du membre supérieur, il y a le syndrome de Pollen, c'est sur agénésie du grand pectoral avec les malformations de la main, très rare. On a fait un travail au service sur 20 ans, on avait 3 cas, on n'a rien fait. Tu fais le diagnostic, c'est tout. Tu traites les malformations de la main. C'est la crosse de la clavicule congénitale. C'est comme une fracture de la clavicule, mais n'est pas douloureuse. Il a... Ça bouge, mais pas de douleur. Aussi, il faut faire. C'est comme l'obsédatrose congénitale de la jambe, mais il consolide. C'est une résection plus une greffe. On fait un greffe osseux. La luxation congénitale, la tétradienne, elle est non gênante. La tétradienne est luxée un petit peu. Il peut faire tous les mouvements, mais esthétiquement, elle sort, elle prend ça. On l'a pas. Des agénésies, des hypoplasies, d'autres malformations de la main. Concernant le rachis, donc on a vu le membre inférieur, le membre supérieur, le rachis. Une déformation posturale, c'est le torticolis. Le torticolis musculaire congénital, là aussi c'est une déformation posturale, c'est une rétraction du muscle sternoclédomastoïdien. On parle actuellement même d'un traumatisme obstétrical, le passé. Il va falloir du passage de la tête, il y a comme une petite déchirure autre, au niveau du sternoclédomastoïdien, et ça donne un hématome qui est dur, ce qu'on appelle l'olive, comme une olive, un petit hématome olive. Ce qu'on fait, c'est des conseils de posture. Au début, pendant 2-3 mois à la main. Toujours la maman, elle doit se placer de l'autre côté de l'enfant. Comme ça, il va essayer de faire tourner la tête. Donc, c'est une propre, c'est ce qu'on appelle comme de l'auto-rééducation. C'est lui qui fait sa propre rééducation en attendant que, théoriquement, on dit que c'est un hématome, le temps qu'il se résorbe. Mais sinon, la vraie rééducation chez le kinésithérapeute, c'est à partir du 2e-3e mois. L'âge idéal d'intervention, si le torticolis persiste, c'est 18 mois à 2 ans. Le temps d'avoir un coup assez lent pour faire l'anténotomie, quand c'est la binaire. Kiné à 2 mois. À partir de 2 mois. Deuxième, troisième. Parfois, deuxième mois, il arrive une arrière, un petit hématome qui s'est résorbé. Mais parfois, ce qui est le problème dans les hématomes, c'est la fibrose. Parfois, le muscle reste fibrosé. Là, il faut le faire travailler, il faut l'étirer. Généralement, ça disparaît tout seul. Parfois, on disparaît tout seul. C'est les quelques cas. Même chirurgicalement, très peu qui arrivent à la chirurgie. Très peu. Très peu. Voilà, très peu. Enfin, avec la kiné, les minerves et tout. Donc, les déformations du rachis, il y a les scolioses idiopathiques, rarement diagnostiquées à la naissance, généralement.
vers le troisième, quatrième mois, on arrive à ces petites courbures, mais généralement sans bénir de bons pronostics, qui disparaissent après l'osmologie. Parfois, c'est des malformations qui attirent l'attention. Il y a une petite déformation, on fait la radio entre, par exemple, une univertèbre ou une vertèbre à jour. Là, ce qui nous pousse à chercher d'autres malformations. Quand on trouve une malformation, on fait chercher d'autres. Et il y a les spines à défis d'abord, c'est des rares. Là, c'est les maladies générales. Il y a les maladies amniotiques. On entre avec le rein. Donc, il y a les fibres amniotiques qui font des strictions. C'est des strictions. Et même, il y aura des amputations intra-utérines. C'est à la naissance, ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de doigts, ils ont un seul doigt. Il y a des sillons, il y a des amputations. Et c'est des urgences, c'est si la personne parce que c'est la nécrose par la suite. Quand on les opère rapidement, il faut libérer par exemple ce sillon. Par la suite, on trouve la main qui devient rougeâtre, bleuâtre, dévascularisée. Donc il faut libérer ces sillons. On fait des plasties, des plasties en Z. Là par exemple, au second, il faut libérer le sillon. Là, un sillon au niveau de la jambe. Donc il y a parfois des amputations, absence de doigts, absence de jambes. C'est les maladies amniotiques. Là aussi, c'est une rare espèce. Et la fragilité osseuse, l'ostéogène, c'est parfait. Dès qu'on le touche, il s'efface. Quand on fait la radio à la naissance radio du corps entier, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà des fractures intra-utérines qui ont consolidé. Ce qu'on appelle des fractures d'âge différent. Fractures consolidées, calvantes, fractures aussi. C'est des fractures d'âge différent. Là, c'est un suivi. On leur donne du bifosphonate de calcium. Pour les aider. Donc on fait des cures généralement, deux cures par an. Et par la suite, on fait des cures télescopiques, des enculages pour protéger les grands axes, parce qu'ils font des fractures répétition. Donc on fait des enculages. Un clou télescopique qui grandit avec l'enfant et qu'on les laisse. Parfois, on les fait même préventivement au début. Ils consolident. Sauf que c'est des fractures répétitionnelles. Même pour lui changer une couche, tac, fracture. Pour lui changer ses habits, fracture. Donc il faut donner des conseils. Tant qu'il y a une fragilité, on va faire des cures, mesurer par la suite la densité osseuse quand il sera grand et tout. Mais le traitement préventif, c'est les gros os, ce qu'on appelle donc le cuisse, jambe et humérus brassé. Mais on ne peut rien faire pour le thorax, pour le rachis. On fait des entourages télescopiques préventifs. Il y a l'arthrogryposa. Tout raide particulier. Là, c'est très bon pronostic. C'est un peu de rééducation. Mais c'est des multi-opères. On opère le pied, récidive, reprendre le pied, opérer la hanche, récidive. Donc, c'est des multi-opères. Donc, là, c'était. Nouveau-né. C'était le nouveau-né. Là, et pour le kiné, est-ce que c'est des kinés, ils ont cette compétence ou il y a certains kinés qui font. Il y a certains kinés qui font l'enfant. Beaucoup plus le pied. Dans leur formation, est-ce que c'est. Ils font. Au début, ils ont une formation générale. Mais par la suite, il y a certains kinés, là, ils font plus le drainage de respiratoire, là, ils font plus l'enfant, ils font plus la neuro, ils font plus. Il faut parfois orienter l'enfant. Tout ce qui est par exemple pied bon, tous les kinés, ils sachent comment traiter. Par exemple, tout ce qui est neurologique, il y a certains kinés qui font beaucoup plus de neuro. Donc parfois on connaît des neurones, donc des kinés, on oriente les parents vers tel kiné. Par exemple, le rachis, la scoliose ou autre. Pas tous les kinés sachent comment rééduquer une scoliose. Donc on les oriente parfois. Parfois on les oriente. Et les parents, ils demandent, est-ce que vous me proposez un kiné? Là, c'est un truc général. N'importe qui. Mais sinon, là, pour ce qu'il a, elle est compétente, elle est fiable. C'est ça. Chez l'enfant, l'adolescent, on a les troubles de la démarche. Donc, c'est des motifs de consultation. Les jeunes qui se touchent, le manuel, jambes arquées, et la cheville qui s'affaisse, donc c'est les pieds.
Donc soit il s'agit des défaudax, les genoux vont revenir à la forme, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Soit les troubles de torsion, on démarche pied en dedans, la marche sur la pointe des pieds et le pied plastasique. C'est les plus fréquents. Pourquoi on les dépiste? Généralement, 30% des consultations. Le plus souvent symétrique. Quand ils sont physiologiques, le plus souvent sont symétriques. Souvent, passager, c'est l'évolution normale, c'est l'évolution physiologique. Mais ils peuvent être un signe d'appel de pathologie sous-jacente. Raison pour laquelle on les dépiste, on les surveille. Mais sinon, je vais avoir un autre, on ne sait pas. Mais il faut se cacher quelque chose. Donc, pour les déviations axiales, là, c'est l'évolution normale. À la naissance, tous les enfants, ils ont le varus. Ils se retrouvent généralement vers l'âge de 2 ans. Donc, durant cet âge, le jeune varus physiologique est temporaire jusqu'à 2 ans. Donc là, il est physiologique. C'est une courbure tubiale, donc idiopathique, physiologique. Ensuite, il développe donc l'évolution vers le varus. Maxima vers l'âge de 4 ans, et puis ça se redresse. C'est l'évolution normale. Donc, le genou varant, c'est jusqu'à 2 ans, le varus en parallèle jusqu'à 4 ans. Ce qu'on appelle les courbures tubiales idiopathiques. Là, c'est l'évolution normale d'un genou vagant. Donc là, c'est les jambes après le genou varant. S'il s'aggrave au-delà de cet âge, il a 4-5 ans, il est toujours en varus. S'ils sont unilatéraux, ou bien s'ils sont bilatéraux et asymétriques, là, on se pose la question. Là, il faut chercher une étiologie. Doit être considéré comme pathologique. Donc là, on surveille tous les 6 mois, tous les ans, on les voit. On recherche une étiologie. Il y a des déviations secondaires, comme la maladie de Bloods, par exemple. La maladie de Bloods, tibia varum. Elle est fréquente. Là, c'est genou varant bilatéral mais asymétrique. C'est un genou varant, mais il est asymétrique. Il est plus exagéré du côté gauche. C'est une maladie du cartilage de croissance. Il y a une épiphysiodèse. Le cartilage au niveau de la partie interne, il est soudé. Donc le côté externe, il grandit normalement. Et le pied, il tourne. Au lieu de grandir dans le sens longitudinal, ça grandit comme ça. Cette partie est fusionnée, et celle-là, elle grandit normalement. Et elle tourne. C'est la maladie de Bloods ou tibia vara congénita. Les courbures rachitiques, on les voit. On voit pas beaucoup de rachitisme, mais surtout les lésions du cartilage de croissance. Il a fait un traumatisme il y a 4 ou 5 ans. Le cartilage a été lésé, on ne sait pas. Et par la suite, il fait une déviation en varus ou en varus. Ou bien il a fait une ostéomyélite ou une arthrite. Le cartilage de croissance, il est lésé par les gènes. Il a fait ce qu'on appelle la chondrolyse. Là, c'est une déviation post-traumatique. Fracture de jambe. Il a évolué vers un genou valgant. Et il y a tout ce qui est maladie générale, constitutionnelle, les achondrodysplasies, les maladies exostosantes, les dysplasies fibreuses, plusieurs maladies constitutionnelles. L'enfant le consulte là. Donc, quand un genou valgant, au-delà de l'âge physiologique, ne se redresse pas, unilatéral et asymétrique de l'autre, il faut penser à une pathologie. Faire ce qu'on fait, c'est des radiographies du membre inférieur. On fait des radiographies qui prend tout l'axe et on surveille. Là, les torsions tibiales, des marches en dedans. Il y a deux entités et deux âges différents. Chez les plus jeunes, avant 3-4 ans, c'est surtout la torsion tibiale. Donc, tout l'axe normal, c'est le tibia qui tourne. On dit genou de face et pied en dedans. Donc, il est debout, dévêtu, les rotules bien axées, mais les pieds qui tournent. C'est la torsion tibiale. Chez les jeunes, il est souvent associé au genou varant physiologique. Là, les genoux en face, donc on a déjà les jambes parquées et le pied qui tourne. Et là, donc les genoux de face et le pied qui tourne vers la continue marche. C'est le pied qui tourne et le genou est en face. Bon. Et le genou est en face. Dans ce cas, le plus souvent, il faut examiner les pieds. Il
faut éliminer le métatarsus adductus. Tout est normal, on a le pied en tout, il faut éliminer. Là, le pied morphologiquement, il est normal. Alors que le métatarsus varus, il y a cette cassure et le pied qui tourne. Donc il faut toujours éliminer le métatarsus adductus, l'examen des pieds systématiques. Parce que plus souvent, ils consultent, on fait une radio du pied, on commence à chercher un coup de pied, alors que le problème, c'est un problème torsionnel. Sinon, après 4-5 ans, c'est l'antétorsion fémorale. Ça se passe au niveau du fémur. C'est tout ça. Tout. Donc, et le genou et le pied qui regardent en dedans. Comme ça. Donc, genou et pied en dedans. Et c'est la fameuse. Les parents disent qu'ils s'assoient. S'asseoir en grand. Pour les examiner, soit sur le dos, on trouve que la rotation interne est très exagérée, parce que la norme c'est entre 45 et 50, soit en position décubitus ventrale. En décubitus ventrale, on cherche notre rotation externe. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une grande trochlée. On fait notre rotation. Dès qu'on le sent tressaillant, c'est la position normale. Au-delà, c'est l'antéversion. Ce qu'on appelle l'examen technique de Deter. Bon, là, c'est la position normale. Au-delà de la saillie du grand tronc, quand il est saillant, tout ce qui est au-delà, c'est l'angle exagéré d'antéversion. Là aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Il s'améliore avec l'âge. Bien toléré sur le plan fonctionnel, il disparaît spontanément, il n'y a pas de problème. Surtout, il faut rassurer les parents. Surveillance clinique, donc il faut établir le cours d'évolution tous les 6 mois, tous les ans. On demande toujours une radiographie de bassin. Tout trouble de démarche autour de radio de bassin. Qu'est-ce qu'on dit? Peur parfois une petite subluxation de la hanche ou bien une dysplasie. L'hanche qui est encore ouverte, donc on n'a pas ces rotations qui sont fixes. Très très rarement, chez le grand enfant, vers 8-9 ans, parfois l'enfant, vers 8-9 ans, il trébuche, il tombe, il a une rotation très élevée qui ne se redresse pas. Donc quand il s'éternise, quand il devient caricatural, gérant sur le plan fonctionnel, il dit que je n'arrive pas de tomber. Il est toujours en rotation, dans ce cas on est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des ostéotomies et on déroute. Personnellement, je m'en fais des. Sur 24 ans. Très rare qu'il arrive à la. À tous les enfants, ils récupèrent. Très rare. Peut être ici parce que le diplégique marchant, le syndrome de Leakey, il marche comme ça, l'infirmière. Le diplégique, c'est peut-être aussi, c'est pour cela qu'on a survécu les choses. Peut-être suivre la pathologie neuromusculaire qui est cachée, qui est frustre, qui est au début. Une myopathie, surtout l'infirmière cérébrale, la paralysie cérébrale, le diplégique marchant. Le diplégique, il marche avec. Exagération de la rotation interne. Il marche comme ça, légère flexion des articulations. Il marche comme ça, il est dépliché. Donc, c'est raison pour laquelle donc, on les surveille. Et sur pied, sur fesses, c'est un signe? Allez, c'est un signe. Quand on a une rotation interne exagérée, j'ai une rotation interne exagérée, comment ça? Même quand il s'assoit au niveau de la chaise, il s'assoit avec les gens qui sont, s'assoit pas comme ça. Il faut demander aux parents, ils sont toujours comme ça. Parce qu'ils ont cette rotation interne qui est très exagérée. Même quand ils s'assoient par terre, ils s'assoient toujours les gens. Il faut les pousser à. Il faut éviter ces postures. Oui. Il faut éviter ces postures. Parfois, c'est des parents exigeants qui demandent beaucoup de choses. On peut prévoir parfois un peu de rééducation, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on dit aux parents? On va essayer d'avoir un équilibre entre les muscles. Rotateur interne, rotateur externe. L'équilibre va essayer. Et il faut. Ce que personne ne prescrit, je prescris rééducation fonctionnelle, équilibre musculaire entre parenthèses, et postural. Rééducation posturale. Comme ça, l'équilibre va essayer de redresser la posture. Il faut qu'il s'assoie comme ça. Il faut... Donc parfois, c'est. Parfois, on ne fait rien. C'est physiologique, ça va disparaître avec l'âge. Et c'est les parents, il faut qu'ils évitent cette position. Donc c'est des précautions. Parfois on ne faut rien faire. Mais parfois c'est les parents qui demandent, qui sont demandeurs.
Moi, j'ai demandé parfois un kiné, il m'a dit oui, on les aide, on les améliore, c'est tout. Mais là, il n'y a pas de. C'est une évolution physiologique. Donc, la marche sur la pointe des pieds. Là, les enfants, la plupart, à l'âge de la marche, ils marchent sur la pointe des pieds. Quand ils marchent, au repos, ils sont plantigrades. C'est là la particularité. Au repos, les plantigrades, quand ils marchent, ils marchent sur la pointe des pieds. Là, c'est une évolution, c'est une étape de l'évolution physiologique. Ils disparaissent spontanément vers l'âge de vers 6 mois environ. Après 3 à 6 mois, ils disparaissent. C'est comme le pitagus ou autre. L'examen clinique, non, il n'y a pas de rétraction d'achille ou autre. Donc, ce qu'on appelait avant, c'est la brièveté congénitale du tendon d'achille, marche en écaille idiopathique ou autre. Mais, quand il devient permanente et durable, il est toujours en écaille. L'enfant, il reste en écaille. Quand on examine la rétraction tendon, il faut chercher une étiologie neurologique. Donc, raison pour laquelle c'est trop de la démarche, il faut les expliquer parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Parfois, on attend 3, 6 mois, il est toujours en écaille. Même au repos, il est en écaille. Dans ce cas, avis neuro, parfois avis neuropédiatrique. Parfois, c'est un neuropédiatre, il va l'examiner. Donc, on demande parfois des avis spécialisés de neuropédiatrie. L'autisme, c'est parmi les premiers. L'autisme, l'autre. Ah. Donc, quand il devient permanent et durable, et l'enfant reste en écaille. Parce que normalement, quand il est au repos, il est plantigrade. C'est ça le diagnostic d'un pied écart idiopathique. Là, le pied plat statique, c'est le pied de la pathologie. Le pied plat statique, quand on examine les soupes ou autres, c'est une déformation bénigne dans 95% des cas. Tous les pieds des enfants sont des pieds plats physiologiques. Normalement, ils se creusent vers l'âge de 3-4 ans. Pour cela que l'indication des semelles, c'est à partir de l'âge de 3-4 ans. Mais avant, on ne parle pas de pied plat, c'est physiologique. C'est un pied physiologique, normal. Quels sont les éléments qui permettent d'affirmer que c'est un pied plat statique, sans gravité, sans conséquence, sans rien? Il y a 3 examens. On le met sur la pointe des pieds, comme ça. Dès qu'on le met sur la pointe des pieds, on a le creux, on a l'arrière-pied qui se redresse, pas de valgus. Soit on fait une rétraction du gros orteil, la plante se rétracte, on a le creux, l'arrière-pied se redresse. Soit on fait des contractions, là c'est un peu difficile. Des mouvements de rotation externe au niveau de la jambe pour contracter les muscles. La voûte se creuse, le valgus calcanien se réveille. Donc là, le tout se redresse. L'évolution le plus souvent vers l'amélioration, mais parfois il y a des troubles fonctionnels. C'est des parents qui consultent, mais surtout l'usure de chaussures, il marche les pieds plats. Quand il fait du sport, quand il se tient debout longtemps, il a mal, il a. Là, on peut préconiser des semelles orthopédiques, ils vont l'améliorer. Mais l'évolution physiologique, les semelles de soutien sont nécessaires. Là, les pieds plats, un pied plat douloureux et raide à l'examen. Là, il est secondaire, c'est un pied plat secondaire. Il faut chercher une étiologie. Soit pathologie neuromusculaire, soit les malformations. Les malformations, c'est surtout les synostoses. Les synostoses du tarse. On a une fusion entre les os du tarse, calcanium astragale, calcanium cuboïdal. Il y a plusieurs types de synostoses. Il est fixé, il est douloureux, il est raide à l'examen. Là, il est chirurgical. Là, c'est un petit peu le trouble de la démarche avec le temps. Donc, c'est les mains positionnées du pied avant la naissance. À l'âge d'un an, les premiers pas, donc c'est le pied équin. Les pieds plats, on les garde généralement pendant une durée, ensuite ça se creuse. Le genou va en valgrand, c'est le début de 2-3 ans. Plus. Et les pieds qui tournent, ils persistent un tout petit peu. Ça résume un petit peu le trouble de la démarche. Donc, c'est des étapes physiologiques du développement. Oui, il faut les étiqueter, il faut chercher, surtout les pathologies neurologiques ou informatiques qui peuvent être cachées. Les fusions du tarse, on ne peut pas les détecter avant. Les synostoses du tarse, quand il va grandir. Là, un pied plat, il évolue vers l'aggravation. On l'examine, il est raide, on fait la radio, on a des synostoses. Quand est-ce qu'ils sont opérés?
fin de croissance, 11 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans. On fait des arthrodèses. C'est des arthrodèses. Il faut casser, il faut redresser les agrafes, la greffe. Donc il faut le remettre en position de fonction. C'est tout. Donc là, ces troubles de la démarche, c'est des troubles fréquents entre 1 et 7 ans. C'est surtout l'inquiétude de l'entourage qui nous pousse à consulter, c'est normal. Et consulter les étapes physiques du développement, il faut surtout rassurer. Établir une courbe. Quand il consulte leur patient, je l'examine. J'ai 60 degrés, dans 6 mois j'ai 50 degrés. Donc j'ai... Tant que ça évolue, moi je dis au malade, tant que ça évolue vers l'amélioration, c'est physiologique. Tant que ça évolue vers l'amélioration, ça s'améliore. Ça peut prendre 3, 4, 5 ans, mais ça s'améliore. C'est ça l'essentiel. Il n'y a pas de trouble fonctionnel, il n'y a rien. Donc il faut surveiller. Favoriser l'évolution normale motrice. Mais il faut dépister. Il faut dépister s'il y a quelque chose. Exceptionnellement traité. Là, ce sont les troubles de la démarche. On va parler rapidement de la boîte. Là, l'enfant qui boite. Là, c'est pathologique. On a dit c'est pathologique. Là, c'est pas. À la différence des troubles de la démarche, c'est une atteinte bilatérale. Une atteinte. Luxation, épiphysiolyse, ostéochondrie, traumatisme, fracture. Rue de la hanche. Sur la tête unilatérale, qui est habituellement focalisée. Elle révèle toujours une pathologie organique. L'origine coxo-fémorale, presque 90% des pathologies sont les hanches. Là, c'est l'autre chose. La hantise. On a peur des infections ostéo-articulaires, ostéomyélite, arthrite, spondylolysite, lombaire, sacroiliite. Il faut éliminer l'infection. Les tumeurs malignes, la douleur osseuse, persistance, rebelle à tout traitement, une boîte, il a mal. Peut-être une tumeur qui est sous la chute. Les hémopathies aussi, des douleurs osseuses, mais les séries ou autres, se manifestent par des douleurs osseuses, une boîte très douloureuse. Et les affections orthopédiques évoluent et compliquent. L'épiphysiolyse, la maladie, l'ostéochondrite, la luxation de hanche négligée, tout ça, ils peuvent donner. Les signes d'alerte relevant une consultation d'urgence, ce qui revient à un contexte fébrile, boiterie avec fièvre, boiterie avec altération d'état général, douleur persistante et intense, rebelle à tout traitement, impotence fonctionnelle absolue, n'arrive plus à marcher, ou bien un gonflement articulaire ou voussure. Tumeur ou bien un épanchement, arthrite ou autre. Là, c'est l'urgence. Les étapes pour diagnostic. Premièrement, il faut reconnaître le type de boiterie. Déjà, le type de boiterie nous oriente. Il faut analyser la marche. Soit la boiterie douloureuse, soit non douloureuse. Donc il y a la douleur. Ce qu'on appelle la boiterie d'esquive. Il n'arrive pas à mettre le pied. Donc, il évite l'appui douloureux, il évite le pas, il refuse d'appuyer parfois. C'est les toutes causes de douleur. Traumatisme, c'est la fracture, voilà. L'infection, la tumeur, les rhumes de hanche, l'ostéochondrite, l'épiphysiolyse, les rhumatismes. Toutes causes de douleur. Les boiteries non douloureuses, c'est les boiteries d'équilibration, les boiteries d'épaule. Exactement. C'est un problème musculaire le plus souvent, ou bien une raideur articulaire. Par exemple, les maladies neuromusculaires, luxation de hanche, l'hanche plus luxée, donc les fessiers sont sont pas très tendus. Donc il y a un déséquilibre musculaire ou bien une raideur articulaire qui laisse. Il n'a pas mal, ça traîne depuis des années. Donc. C'est les pathologies neuromusculaires, la luxation de hanche négligée et les séquelles de tout ça. Les séquelles d'une LCP, les séquelles d'une épiphysiolyse, les séquelles d'un traumatisme, les séquelles de... C'est la pathologie séquelle. Deuxièmement, il faut chercher le siège de l'infection. Il faut l'examiner. Tu as mal là, rechercher les points douloureux, s'il a une fièvre, examiner l'articulation en particulier, soit un examen neurologique ou autre. Généralement, on nous oriente vers un traumatisme, une infection, des troubles trophiques, comme l'ostéochondrite, la SCP, dans leur forme chronique, ils ont des amyotrophies, tout ça. Neurologie ou autre. Donc. On est un petit peu orienté.
qu'est-ce qu'on fait? De première intention, dans un cadre d'urgence, on ne sait pas, on est perdu. Parfois, il vient, il a mal, boîte très douloureuse, il te dit, j'ai là, j'ai eu un traumatisme, j'ai mal. Donc, tu fais une radiographie focalisée. Là et là-bas, j'explore. Mais de première intention, dans le cadre de l'urgence, on ne sait pas, il est perdu, on n'arrive pas à faire des diagnostics. On fait toujours notre bilan inflammatoire classique, numération VSRP, afin d'éliminer un problème rhumatismal, infectieux ou autre. La radio de bassin, on l'a fait systématiquement quand on est perdu. Pourquoi? Parce que 90% des pathologies, c'est au niveau de l'âge. On l'a fait systématiquement. Chez les tout petits, on demande radio du moment à faire ça. Chez les tout petits, on n'arrive pas à focaliser. Un nourrisson, un enfant qui a 2-3 ans, qui marche, on n'arrive pas, il a mal partout. On ne sait pas si c'est la cheville, si c'est le genou. Donc on fait une radiographie de tout le membre. Et parfois des radiographies segmentaires. J'ai mal partout, mais l'accent, j'ai peur. Donc on fait un membre inférieur, on fait une radio, d'autres radios focalisées. Là, c'est le bilan de première intention. On ne sait pas, une boîte et la balle. Donc on fait ce bilan au début. L'échographie, on la demande quand? Quand on examine des articulations, une des articulations qui est un petit peu douloureuse, peut-être chaude, peut-être. Donc on recherche un épanchement articulaire, une petite voussure ou autre, un abcès des parties molles, un hématome, une tumeur, une infection des parties molles. Parfois on n'a rien, on traite. On lui donne un petit traitement anti-inflammatoire, on surveille. Parfois, persistance de la douleur. Localisation, on n'arrive pas à localiser par la suite, doute diagnostique, on fait la scintigraphie. C'est un bon exercice de débrouillage. Scintigraphie te donne exactement la localisation, donc soit hyperfixation, soit un trou. Si c'est hyperfixé, fixation, c'est tout ce qui est infectieux, tumoral. Si on a un trou, un vide, c'est qu'il y a une petite nécrose, ostéochondrite ou autre. Donc, processus inflammatoire ou tumoral. Et le bilan étiologique orienté, c'est la maladie rhumatisme. On va le surveiller, lâcher là, les anticorps, hier, si là. Donc, c'est un bilan étiologique en fonction de l'orientation diagnostique par la suite. J'ai quelques cas cliniques avant d'entendre. Là, par exemple, c'est une fille de 3 ans. Elle a marché à 13 mois. Mais elle a eu toujours une démarche d'épaule. Elle a toujours une démarche d'épaule. Donc, batterie d'équilibration. Qui n'a quitté pas. Mais c'est l'institutrice qui est consultée, ses parents ont consulté. L'examen, il a une petite inégalité de longueur, droit, une hyperlordose, limitation de l'abduction de sa hanche droite. Donc, qu'est-ce qu'on pense? Luxation congénitale. En premier, devant l'âge, ce qui est là, c'est une luxation. Luxation, tête musculaire, donc l'examen neurologique est normal, il a une inégalité infectionnante. Notre bilan classique, donc standard, et c'est une luxation. Une luxation de la hanche, l'examen neurologique normal, pas de syndrome inflammatoire, la radio, c'est une luxation négligée du côté droit. Là, c'est un enfant de 6 ans qui présente depuis 6 heures, après une contusion minime, des violentes douleurs du genou gauche. Un traumatisme minime qui n'est pas des douleurs du genou. Il a une boiterie d'esquive douloureuse avec importance fonctionnelle du côté gauche. Il n'a plus à marcher, il a très mal. L'examen fièvre, 39, tachycardie, douleur fémorale, métaphysaire inférieure. Au niveau de la métaphyse inférieure, c'est plus bien. Réveillé par la palpation. Quand on le palpe, il a vraiment mal au niveau de la métaphyse inférieure. La mobilisation douce du genou est possible. On arrive à mobiliser le genou. Et à l'examen, il a un angle incarné infecté du gros orteil. C'est une ostéomyélite. Plusieurs diagnostics d'ostéomyélite. Examen de l'environnement cérébral, son BCR, fait la radio normale. D'autres examens, c'est surtout l'hémoculture et le prélèvement bactériologique. Là, c'est l'âge de 7 ans. Très actif, plein d'énergie, hyperactif, qui présente une batterie récidivante du membre inférieur gauche, d'évolution très lente depuis 15 jours. Il a pas mal. Il a déjà fait un épisode il y a 4 mois, qui a duré 10 jours. À cette époque, le bilan radiologique et échographique normal. Le diagnostic qui était retenu, c'était rhume de hanche. Là, l'examen, il est toujours apérétique, douleur essentiellement localisée à la cuisse, qui irradie vers le genou. Et l'examen montre une limitation des rotations.
limitation des rotations de la hanche avec un hypertrophie de 2 cm. Donc on pense à quoi? Vu l'âge, vu le contexte, vu votre récepteur, déjà fait un épisode par avant. Musculaire. Peut-être, pathologie neuromusculaire. Il est turbulent, il est actif, il est. Et puis fils pas cet âge. C'est surtout l'ostéochondrite. L'ostéochondrite, le rhume de hanche, la syndrome transitoire. Mais c'est récidive en rhume de hanche. Une seule fois. C'est ça, donc, entre le rhume de hanche et la LCP. Et parfois le rhume de hanche peut être un signe clinique du début de l'ostéochondrite qu'une petite hanche par la suite. Tout rhume de hanche qui est suivi, donc, parfois on préconise une radiographie de bassin 4 mois par la suite. Parce que c'est peut-être le début d'une ostéochondrite clinique de hanche. Donc il y a le rhume de hanche qu'on peut éliminer rapidement parce qu'il a déjà fait un épisode. Là, il sait la RPC, la ostéochondrite, atteinte neurologique, et tout ce qui est pathologie du genou, méniscal et tout ça. Douleur de croissance aussi. Peut-être c'est des crises de temps en temps. Là, on est perdu. Donc là, on fait notre bilan classique. Donc on fait notre. Exactement. Le bilan classique, c'est patient, peut-être échographie des hanches et la radiographie de bassin systématique parce que. Donc le bilan normal, l'écho normal et la radiographie montre une ostéochondrite. L'écrase de la tête fémorale. Donc le plus souvent, c'est une douleur qui est au niveau de la cuisse, au niveau du genou, plus qu'au niveau de la hanche. Ça évolue depuis des mois, c'est la myotrophie des muscles. L'atrophicité, ça va mettre bien. Donc c'est la chronicité, rentre dans la chronicité. Avez-vous besoin d'autres examens pour confirmer, non? Mais au début, si on suspecte une ostéochondrite, la radio normale, on peut faire soit une scintigraphie, soit une IRM. Il montre les mêmes images, mais précocement. Il ne change en rien le diagnostic, le pronostic ou le traitement. Mais le diagnostic, c'est un. Le rhume de hanche pour 7 ans, c'est un peu tard, non? Le rhume de hanche, c'est entre 3 ans et 9 ans, jusqu'à 9 ans. Et ça se répète pas, généralement. Et ça se répète pas. Là, c'était un garçon de 13 ans. C'est un prépubère. Sans antécédent, présente des douleurs de la cuisse, des survenues assez brutales, sans cause traumatique. Il est de grande taille. 70 kg. Une esquive du pas, donc il a mal. Son membre inférieur, une attitude spontanée en rotation externe. Il marche en rotation externe. L'examen, une limitation de la rotation interne. Quand on examine, on ne peut pas faire de limitation de rotation. Il n'y a pas de déformation des membres, le genou, cheville, homo latéral, non douloureuse, peu normal. Donc ça se passe au niveau de la hanche. Ce garçon, il a un examen neurologique normal. Il n'a pas de fièvre et aucun traitement n'est en cours. Épiphyse. Donc, quels sont les diagnostics? Arthrite sceptique? Il n'y a pas de fièvre. Arrachement apophysaire? Pas de traumatisme. Les apophyses. Pas de traumatisme. Épiphysiolisme. Luxation de rotule? Bon, enfin, c'est douleur du genou. Ostéomyélite de l'extrémité inférieure de fémur, finalement. Donc c'est une épiphysiolyse. Quel bilan on va réaliser? Radio. Toujours radio. Radio. Qui montre le glissement. Le glissement de toute boiterie douloureuse, avec limitation de la rotation interne, chez un enfant prépubère, c'est une épiphysiolyse, il faut faire la radiographie. Jusqu'à preuve du contraire. Votre interprétation, c'est une épiphysiolyse. Donc là, je veux vous rappeler un petit peu les étiologies des boiteries, pour terminer. Jusqu'à 3 ans, donc de l'âge de la mort jusqu'à 3 ans, il faut toujours éliminer les causes mécaniques. La chaussure inadaptée, c'est pas pour zéguer. Ah oui. Corps étranger volontaire. Pathologie de frein de la cou. Il a un angle à carreau. Sinon, un traumatisme. Un traumatisme, soit une fracture métaphysique, les fractures, ce qu'on appelle en mode de beurre, ou bien les fissures. Les fractures sous périostées ou les fissures. Et le diagnostic le plus fréquent, c'est
la luxation congénitale de la hanche. C'est le premier diagnostic qu'on a évoqué. Et ne pas oublier l'atteinte neurologique, parce que c'est l'âge d'apparition des atteintes neurologiques. Parfois, c'est évident. Forme hémiplégique, diplégique, évidente. Mais parfois, il faut chercher des signes frustrés. Retard d'acquisition de la langue. L'enfant consulte le loup. Il a 2 ans, il ne marche pas encore. Retard des acquisitions motrices. Retard de la marche. Une diminution de la force musculaire. Une petite spasticité, une rétraction. Des cils qui orientent un pied qui est en écart, en creux. Donc, c'est des cils frustrés. Parfois, le tableau est évident. Soit une biplégie, soit une diplégie. Donc, il boite. Donc, on fait une consultation, on les oriente en européen. De 3 à 10 ans, deux diagnostics. Il y a le rhume de hanche, donc vous le connaissez tous. L'ostéochondrite cryptique hanche. C'est une voie très douloureuse avec une mutation de rotation. C'est une évolution qui évolue donc vers la nécrose et la reconstruction. C'est un diagnostic qui est très fréquent. Là, c'est le diagnostic précoce, soit l'IRM qui montre exactement les mêmes signes, soit la scintigraphie, là c'est le trou. Donc il n'y a pas de vascularisation dans la tête, donc nécrosé, c'est l'hypofixation. Ne changeant quoi le pronostic ou le traitement. C'est juste pour avoir un diagnostic précoce, c'est tout. Chez l'enfant de plus de 10 ans, l'épiphysémie. Là, c'est à l'examen, ce qu'on appelle le signe de Dreyman. On n'a pas de rotation interne. Vu le glissement, le pied part toujours. C'est un glissement. C'est un glissement entre épiphyse et métaphyse. Donc toujours ça glisse dans ce sens. C'est la position. C'est le signe de Dreyman. Quand on essaie de lui fléchir la cuisse, elle part en rotation externe. Elle suit le sens du glissement. C'est comme ça. Ce qu'on appelle le signe de Dreyman. Radiologiquement, parfois le déplacement est évident. Là, c'est vraiment si vite. Parfois, on n'arrive pas à voir. C'est juste au stade de début. Radiologiquement, il y a ce qu'on appelle la ligne de Klein qu'on trace. Parce que normalement, quand on fait la ligne qu'on montre à celui qui passe par le bord supérieur du col, normalement, on va passer à travers la tête, à travers l'épiphyse. Quand ça se déplace, ça remonte et ça passe en dehors. Si je la trace, elle passe par contre. Ce qu'on appelle la ligne, c'est le signe de début vraiment d'une épiphyse. C'est le traitement des chirurgies. À côté d'épiphyse, il y a les apophysiques, les arrangements prophysaires. Là aussi, c'est très fréquent. C'est surtout l'enfant hyperactif, c'est l'enfant sportif, c'est une douleur au niveau de l'osmose chantaire, vous la connaissez tous. C'est au niveau d'insertion, des sites d'insertion des tendons. Deux localisations qui sont très fréquentes. Il y a l'insertion du rotulien, le tendon rotulien au niveau de la tuberose du tibia antérieur. C'est ce qu'on appelle la maladie de Schuster. C'est exactement l'évolution comme la maladie de l'ostéochondrite cryptique de hanche. C'est une fragmentation, reconstruction par la suite. Là, c'est le Schuster. Parfois, c'est l'insertion de l'achille. Au niveau de la grosse tuberosité, là, c'est la maladie de Sévère. C'est des noms propres des auteurs qui l'ont trouvé. Il y a aussi le troisième cas qu'on le retrouve assez fréquemment. C'est la base de la rotule. C'est le Sinding Larsen. Presque tous les os, toutes les insertions, ils ont un nom propre. Là, j'ai mis juste le plus fréquent. Et surtout, ce qu'on voit assez souvent, c'est le Schlatter et le Sever. C'est ce qu'on voit. Là, quand l'enfant le consulte, il est en phase inflammatoire, douloureuse. Et le grand risque, c'est quoi? C'est l'arrachement du tendon. Surtout, c'est des enfants sportifs. Donc, il faut préconiser le repos. Parfois on immobilise, il faut reposer le tendon, traitement antalgique pendant 5 jours. L'immobilisation ça dure 2 à 3 semaines. Et ensuite c'est une évolution cyclique, c'est comme la maladie de Hess, de l'écalvésateste. C'est une évolution cyclique qui va durer 2 à 3 ans. À tout âge, ils n'ont pas d'âge. Là on avait vu avant 3 ans, entre 3 et 20, et l'adolescent. Là, à tout âge, les infections. La toute loiterie douloureuse, fébrile, avec impotence fonctionnelle, c'est une urgence thérapeutique. Donc il faut penser à une infection. Du rachissement d'herpa jusqu'au pied. Une spondylodécite passe dans une loiterie, une sacro-limite.
Exactement. Les ostéomyélites, les arthrites, tout. Les hémopathies aussi, il faut y penser. Douleur osseuse, altération de phase générale. Faut votre vivant orienté vers l'hématologie. Les tumeurs. On dit que devant toute douleur osseuse, rebelle à tout traitement, il faut explorer ces douleurs osseuses. Il faut penser à la tumeur. Toute douleur osseuse rebelle à tout traitement est persistante. Donc il faut explorer, il n'y a rien d'autre, il faut examiner biopsie. Donc déjà, avant l'apparition de ces signes, l'altération de phase générale, sueur, tout ça va, là on est dans une tumeur qui est fou. Donc la radiographie, généralement, il suffit de diagnostic et c'est une urgence diagnostique plus que thérapeutique, parce qu'il faut avoir un diagnostic, ensuite c'est un protocole thérapeutique, chimio. Les inégalités de longueur. Non pas pathologique, essentiel. Chacun de nous, il a une petite inégalité. On a quelques millimètres, millimètres, on se les démontre. Les inégalités essentielles, moins de 2 cm. Parce que les inégalités secondaires, c'est généralement c'est des malformations, c'est une pathologie neurologique, c'est un traumatisme avec épiphysiothèse ou autre. Mais là, c'est deux. On n'arrive pas à les étiqueter. Il faut toujours rechercher une étiologie, mais avant tout, il faut éliminer les fosses. Les consultes pour inégalité alors qu'il y a une scoliose. Et là, on passe en pique. Donc, il faut éliminer les fosses avant de retenir le diagnostic. Éliminer les fosses inégalités. Ce qu'on appelle les attitudes vicieuses. Il y a une pathologie neurologique et un petit flessant. Flessant du genou, bien l'écart. Il marche comme ça. Donc, il y a une inégalité. Donc, tous les flessants de hanche, de genou, l'écart, ou bien les scolioses. Il faut les éliminer. Dans ce cas, on parle d'inégalité de longueur essentielle. Donc il faut éliminer. L'examen est simple. Soit si on a le petit câble ou planchette pour mesurer. Sinon, on peut faire une mesure centimétrique. Segmentaire ou globale. Comment on mesure le fémur? Les péniliacantères supérieurs, condylatère. On mesure. Condylatère, maléolatère. Soit segment par segment, soit tout le monde. Est-ce qu'il est. La radiographie mensuratrice, il va nous donner exactement en millimètre près. Donc il y a une inégalité, et c'est la compensation. En 2 cm, on peut la compenser par une biopsie supplémentaire. À tout âge, il y a tout ce qui est rhumatisme, les osteochondries, c'est rare, mais c'est tout tranquille. Mais là, j'ai essayé de regrouper, il y a deux caractères. Il y a le caractère douloureux qui nous oriente. Boîte ridée, ce qui est douloureux, c'est tout ce qui est douleur. Boîte ridée, point d'équilibration, tout ce qui est séquelaire, tout ce qui est neurologique ou autre. Et là, je vous oriente aussi. Un jeune ne peut pas faire de l'épiphysiolisme. Un prépubère ne fait pas d'ostéochondrite. Là, je nous oriente un tout petit peu. La hanche représente 90% des pathologies des boîtes. 90% de la hanche. Et surtout, à tout âge, il ne faut pas passer à côté d'une infection, tumeur, hémopathie. Aussi beaucoup d'enfants qui consultent des douleurs de croissance, de croissance. Chez l'enfant, il y a beaucoup d'apophysite, beaucoup d'épiphysite, beaucoup de. Il faut essayer de les éliminer. Et la douleur de croissance, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, les exclure avant de parler de douleur de croissance. Il faut chercher, il faut farfouiller un tout petit peu avant de parler de douleur de croissance. Là, il me reste juste 2-3 diapos. J'ai voulu vous parler de la scoliose, juste. Tout enfant, le diagnostic repose sur la gyrosite. Tout enfant. Il faut faire pension en avant, tout enfant peut être prépubertaire pour toute consultation. Consultation pour tout rafflexion, il faut le faire pension en avant. Examen lourd pour dessin. Est-ce que s'il est allongé, il disparaît. Non, si on l'assoit, est-ce qu'on peut mettre en image? Il faut se mettre debout, il n'y a pas de. Debout. Parce qu'il y a un problème aussi d'inégalité de longueur. Enfin, il faut, avant d'examiner le dos, il faut s'assurer qu'il n'a pas d'inégalité de longueur. Si là, le bassin est comme ça, il s'assoit. Une attitude scoliotique, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de gyrosité. Parfois, il y a une attitude scoliotique, quand on l'examine, il n'y a pas de gyrosité. La radio, il n'y a pas de rotation, c'est une attitude scoliotique. Attitude scoliotique, il faut chercher une cause secondaire, une qualité de longueur ou autre.
Mais là, ce qu'on vient, c'est la gibosité. Il est là aussi. Quand on fait la radio, il y a la rotation vertébrale. Parce que la sclérose n'est pas une inclinaison, c'est une rotation vertébrale. La vertèbre est tout. C'est pour cela qu'on a la gibosité. La gibosité, c'est pas déjà un stade tardif? Il ne faut pas poser le diagnostic peut-être un peu plus tôt. Il faut poser le diagnostic à ce stade. Dès le début, parce que la scoliose, quand elle s'instaure, début de rotation. La scoliose structurale, maladie. Il y a début de rotation. Il y a la gibosité qui va commencer. Tout ce qui est scoliose haute thoracique, la gibosité est évidente. Pourquoi? Parce que toute la poche thoracique est tombée. La partie lombaire basse, elle est vide. Il y a juste des muscles. Le diagnostic, le plus souvent, il est tard. Elle est moins marquée. La douleur ne peut pas être... Exact. On a juste des muscles paravertébraux qui sont un petit peu sans un côté par rapport à l'autre. La douleur ne peut pas être... Scoliose est en point de douleur. Un rachis douloureux, il faut chercher une étiologie secondaire, tumorale, infectieuse. La scoliose ne donne pas de douleur. Catégorie. Rachis douloureux, est égal à tumeur infectieuse. Scintigraphie, il est réel. La scoliose ne tend pas de douleur. Pourquoi on fait ce dépistage? Parce que toute scoliose, il y a un risque d'aggravation. Elle s'aggrave, parce que ça ne s'arrête pas, elle s'aggrave. Il est bon. Et c'est à petit angle qu'on a les meilleurs résultats. Si on a des risques à ce stade, il y a le renforcement musculaire, il y a la kiné, il y a le corset. Parce que parfois, on essaie juste de stabiliser. On essaie pas de corriger dans certains cas. Il faut juste stabiliser. En attendant la fin de la croissance. Exactement. Non, c'est pour cela qu'il faut la dépister, toujours. Quand on examine l'enfant pour une toute pathologie, on le fait donc pension en avant, faire pension en avant tout enfant, période prépubertaire. Là, c'est un problème de carton. C'est des consultations. 20% des enfants, 66% des adolescents. Ils ont un mal de dos. Là, c'est quelques conseils. La littérature. Le poids ne doit pas dépasser 10%. Le poids du corps impossible. Il faut être très attentif à la position de cartage. C'est-à-dire régler bien les sangs et qu'elle soit bien portée par les deux épaules. Et tout ce qui est lourd, les objets lourds, contre le dos. On offre surtout contre le dos. Et là aussi, le problème de position. À l'école, devant la télé, hein, stabiliser le bassin, se redresser, se rapprocher du plan de travail. C'est des petits conseils qu'on donne aux parents quand ils consultent. Là, juste une petite astuce, comment de mieux examiner parfois un enfant. Parce que dedans, on peut déceler plusieurs choses. Dedans, on observe déjà les pieds, fessiers, tout ça. Déséquilibre, bassin oblique. Faire pencher vers l'avant, rachis. Voir l'axe des genoux, genoux vers l'avant, vers l'avant. Le mettre sur la pointe des pieds, pied à plat. Déjà, c'est un petit truc. Et voilà. Merci. Merci. On essaie de faire le tour. Ah, c'est très bien, c'est très bien, très didactique. Voilà, quelle est la communication?